Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'accès à un truc non essentiel. La culture. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est quoi? Selon l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Ça englobe les arts et les lettres, mais aussi les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, le système de valeurs, les traditions et les croyances. Oui, l'UNESCO? Ce serait pour inscrire la salade au lard au patrimoine mondial, s'il vous plaît. Ça vient des Ardennes. Si, les Ardennes, ça existe. La définition de l'UNESCO, c'est celle de la culture collective. Mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. En 1952, les anthropologues Alfred Grober et Clyde ces types-là, ils ont écrit 200 définitions différentes du mot « culture » dans leur livre « Culture, a critical review of concepts and definitions ». Bon, on va prendre une autre définition. Selon le dictionnaire national de Becherel de 1862, le mot « culture », c'est l'ensemble des connaissances générales d'un individu. On parle alors de culture individuelle ou de culture générale. La culture générale, tout le monde en a, grâce à la musique, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo, la télévision, les musées, le sport, le théâtre, et plein d'autres trucs. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas accès à la culture de la même manière. Espèce de bolos, avec internet, maintenant, tout le monde peut se culturer. Je crois que tu n'as pas la fibre à tous les étages. Parlons d'abord d'argent. Selon un rapport de l'Observatoire des inégalités de 2021, 42% des personnes les plus riches sont allées au moins 3 fois au cinéma dans l'année, contre 17% des plus pauvres. Et c'est pareil pour les visites de sites culturels, avec au moins 3 visites par an des 39% des plus riches, contre 11% des plus pauvres. Mais il n'y a pas que le poids du portefeuille qui peut freiner l'accès à la culture. Il y a aussi la situation géographique. Ça, c'est la répartition des équipements culturels en France en 2016. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Oh, j'ai fait 3 musées différents cette semaine. Mais quoi ? Selon le sociologue Olivier Donna, la plus grande barrière à l'accès à la culture, elle est socioculturelle. Ça veut dire quoi, socioculturelle? C'est par exemple le fait d'avoir été habitué dès l'enfance à avoir des livres chez soi, le fait d'avoir fréquenté l'école assez longtemps, voire même l'université. Tout cela amplifie l'envie de se cultiver. Et évidemment, quand Olivier Donna parle de l'accès aux livres dès l'enfance, ça vaut aussi pour les spectacles vivants, les musées, les concerts, etc. De toute façon, la culture balèque, moi j'en ai pas, et je vais très bien. Selon un rapport de la Cultural Learning Alliance, qui contient des dizaines d'études sur le sujet, l'accès à des activités culturelles permet d'augmenter ses capacités cognitives de 17%, d'avoir de meilleurs résultats scolaires, de multiplier par 3 ses chances d'obtenir un diplôme, d'améliorer les chances d'obtenir un emploi stable, d'augmenter fortement ses chances d'être en bonne santé. Ah bah super, moi j'habite dans un trou paumé, j'ai pas de boulot, je peux rien faire du coup. Détends-toi, on a 2-3 trucs pour t'aider. Pour apprendre une langue gratuitement, il y a des applications où tu peux parler avec des natifs ou prendre des cours. Sur archive.org, tu peux trouver plusieurs millions d'œuvres tombées dans le domaine public. Des films, des livres, de la musique, des audiobooks, des articles de presse et des jeux vidéo. Si t'as des musées dans ta ville ou ton village, la plupart d'entre eux sont aussi gratuits pour les habitants. Et au passage, il y a énormément de lieux culturels qui proposent des tarifs réduits, voire la gratuité pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi ou même les seniors. Si jamais tu bénéficies d'un accompagnement, à la mission locale par exemple, n'hésite surtout pas à demander à ton conseiller des places Culture du Cœur. C'est une asso qui propose des places pour des événements culturels. Il y a des concerts, des spectacles, du ciné, et du sport aussi. Et il y a aussi le Pass Culture qui te permet d'accéder à des lieux culturels ou acheter des objets de culture. L'année de tes 15 ans, t'as 20 euros. C'est pas beaucoup. L'année de tes 16 à 17 ans, t'as 30 euros. C'est pas beaucoup. Et l'année de tes 18 ans, t'as 300 euros. Ça c'est beaucoup. Pour ça, il suffit de t'inscrire sur ce site. Là ou là. L'accès à la culture, c'est aussi le partage. Si tu aimes une musique, un film ou n'importe quoi d'autre, parle-en, partage-le et agrandis la culture des autres. Bref, il y a encore beaucoup de boulot. Mais si on veut réellement être efficace sur l'amélioration de l'accès à la culture, il faudrait commencer par la considérer pour ce qu'elle est. Essentielle. Et personne n'en parle. C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi des événements publics gratuits comme la Nuit Blanche par exemple. Pendant toute une soirée, jusque tard dans la nuit, vous avez accès à des performances, des spectacles et des installations artistiques en pleine ville et dans certains lieux en accès libre.
Celle de Charleville-Mézières est vachement sympa. Il y a aussi la Nuit européenne des musées qui a lieu en mai de chaque année. Pour cette occasion, beaucoup de musées ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Ou encore les journées européennes du patrimoine. En général, c'est en septembre. Il y a des événements locaux gratuits dans les monuments publics et à tarif réduit pour la grande majorité des établissements privés participant à la manifestation. Pour les jeunes habitants dans le Grand Est, vous avez aussi la carte jeunesse. C'est une appli pour bénéficier de réductions dans la culture, le sport et le tourisme. Il y a aussi des jeux concours, des actus et plein d'autres infos pratiques. Et pour les habitants des Ardennes, il y a le Bon Groin. C'est un site internet qui offre des ressources numériques, films, magazines, informations, chaque mois pour les personnes inscrites dans les bibliothèques ou médiathèques des collectivités partenaires. Et pour plus d'infos, allez voir en description. Take my lips. I want to